La traditionnelle sardinade organisée par les amis du jumelage Andernos-Nuslor a démarré hier soir au port du Béteil à Andernos. Jusqu'à samedi soir, comme chaque année, la restauration est assurée par les bénévoles de l'association les midis et les soirs de 18h30 à minuit. Au menu, sardines, saucisses ou ventrèches, assiettes de tapas et frites à volonté. Les tontons swingers qui font de le jazz New Orleans assurent l'animation musicale le midi. En soirée, c'est DJ Fashion Music qui prend le relais. Je me nomme Philippe Pénois et je suis président de l'association des amis du jumelage d'Andernos, Andernos-Nuslor, une ville située à 100 km de Strasbourg, dans le Bade-Württemberg, à côté d'Heidelberg. Donc chaque année, on organise la sardinade. Donc une grande manifestation, comme vous pouvez le voir, hein, qui draine énormément de monde. Donc c'est se fait dans la joie et la bonne humeur. Et là, cette année, on a eu l'honneur d'avoir la consul générale d'Allemagne qui est venue assister à notre inauguration. Et c'était un moment fort sympathique. Alors les menus que nous proposons, c'est des menus sardines, bien sûr, hein, de sardinade. Mais bon, en attendant, les gens peuvent profiter des tapas, les beignets de crevettes et saucisses, ventrèches. Pour les gens qui n'aiment pas le poisson, ça peut arriver. Et là, actuellement, on a à peu près 25 bénévoles qui assistent à cet événement. Et comme chaque association, c'est toujours très difficile. Mais bon, on peut compter chaque fois sur nos adhérents qui se... Même s'ils ont des petits bobos qui viennent, et ça, c'est fort sympathique pour nous aussi. J'arrive de Saint-Médard-en-Jalles. Je suis en week-end. Et donc, j'ai entendu aux informations et vu sur les petits fascicules qu'il y avait ce soir, donc une sardinade avec DJ, puis après feu d'artifice. Donc, je suis venue toute seule, comme une grande, et j'ai fait la connaissance de gens très aimables. Voilà. Et donc, c'est bien organisé, un peu long pour les plats, mais bon, on va pas se plaindre. Je remercie les bénévoles en tout cas. Nous, on vient de Nantes. On est arrivé il y a 4 jours et on a connu par Marina cette soirée sardinade. Nous, on est habitué de ça sur Pornichet, parce que nous, on a les fesnoz en Bretagne. C'est un peu le même style, sauf qu'à la place des sardines, c'est des saucisses et des moules. Et donc, on est arrivé il y a une petite heure et tout se passe très bien pour nous. Voilà. Nous, on est de Lège, donc pas très loin. On passe nos vacances sur le bassin. Et on adore ces petites fêtes, enfin ces grosses fêtes, parce que quand on voit le monde, ça devient des grosses manifestations. Mais c'est très sympa, c'est convivial, il y a du monde, on profite, tout le monde, tous les bénévoles sont à fond, comme vous l'avez vu. Donc non, c'est bien, très bien, super copieux, sardines, enfin tout est bien. Bon, il n'y a que la tente qui est un petit peu, comme vous le voyez, ils sont débordés par leur succès, et du coup il y a beaucoup de monde. Donc un petit peu d'attente, c'est le seul dommage, mais ils font ce qu'ils peuvent, voilà. Moi je suis pas locale, moi j'habite dans le nord, je viens de Lille, mais ma grand-mère habite Andernos depuis 20 ans, donc la sardinade je la pratique depuis toute petite, c'est une fête que je raterai pour rien au monde l'été parce que j'adore, je viens tous les ans, c'est le petit bal, c'est plein de belles rencontres, on y mange très bien et franchement on adore, donc voilà, je la recommande aux copains qu'on rencontre et à tous ceux qu'on peut croiser sur notre chemin parce que c'est très très chouette.